Bonjour à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, jeudi 1er décembre 2016, c'est la cinquième fois que j'enregistre cette vidéo en espérant que ça va marcher. Cette fois-ci, pour vous présenter la pire Linux OS. Si jamais ça marche pas, je téléverse sur YouTube cette vidéo en disant que cette distribution, c'est réellement de la merde. Donc, pire OS, c'est quoi? C'est une distribution qui est basée sur Ubuntu. Donc attendez, je vais essayer juste de m'appliquer. Je vérifiais quand même si c'était pas ma bécane qui déconne. Donc Pearl Linux machin. Voilà. Et on va la démarrer. Voilà. Donc c'est une distribution Linux qui veut ressembler à macOS 10. Et voilà. Donc qui est basée sur Ubuntu. C'est disponible. Ok. On va voir ensemble ce qu'elle contient dedans, si j'arrive à la démarrer. Il y a un jour où j'arrive... Ça fait 5 à 6 fois que je recommence la vidéo, parce que quand elle démarre, voilà, elle affiche cet écran bleu de merde. Donc si vous voulez, il y a un moment où je ne sais plus quoi faire pour que ça démarre. Sachant que si je prends une autre distribution Linux, ça marche très bien. Donc, vous me permettez juste quelques instants, parce que là, ça commence à m'énerver. Donc, je vais quand même essayer de vérifier que ce ne soit pas VirtualBox qui sème le trouble là. Module. Donc, hop, je vais virer tous les modules. Hop, et je vais recharger les modules VirtualBox. Des fois que ce soit lui qui déconne un petit peu. Hein. Donc, je close, je réactive et j'en démarre. Voilà. Voilà. Donc je vais essayer. Toi aussi. Ça commence à devenir compliqué. Donc Pearl OS, elle veut se rapprocher de macOS 10, ce que je veux dire. C'est basé sur Ubuntu. Et on m'a demandé à tester par courrier électronique. Donc voilà. Voilà le test. Bon, ça ne veut pas démarrer, donc ça me saoule. Ça marche pas, cette distribution de merde. Voilà. Donc c'est dit, mais voilà, elle est censée ressembler à ça. Voilà. Donc c'est censé être beau. Je l'ai démarré, hein, pourtant, juste avant. Ça ne veut pas, ça veut plus marcher. Donc c'est pas bien grave. Voilà. Donc honnêtement, on peut changer l'interface. Vous voyez, on peut le faire ressembler à Windows XP. On peut la faire ressembler à Mac OS 10. On peut changer les fonds d'écran, voilà, ça c'est le panneau de contrôle avec les différents outils. On a compise, hein. Donc c'est-à-dire que quand vous bougez les fenêtres, ça fait les fenêtres qui sont toutes molles. Là je vais vous montrer et je vous prouve que c'est vraiment pas que c'est pas VirtualBox ni mon OS qui déconne, hein, mais c'est bel et bien cette Pearl qui déconne, parce que vous allez voir là en démarrant une Fedora. Ben vous allez voir, ça va marcher. Donc voilà à quoi ressemble. Voilà, il y a plein d'effets 3D, enfin plein d'effets compisés en action. Donc vous voyez, on a les applications qui se réduisent dans le dock en bas sous la forme de lampes magiques. Donc on a vraiment tous les effets. Donc ça a fonctionné une fois, mais voilà. Vous voyez là, Fedora, ça marche. Ça marche. Donc voilà, on a l'interface graphique, ça marche correctement. Mais si je retente le truc là, voilà, donc on va virer ça, on va redémarrer. J'arrive pas à démarrer sur l'image. Alors on va essayer peut-être avec X-Force VESA là, on va essayer de forcer avec le pilote générique, des fois que. Voilà, et donc sinon, pour histoire de meubler un peu le temps que ça se démarre, que ça essaye. Vous avez le README ici dans Quick Help. Vous allez sur Pearl Linux. Et là, en fait, vous avez l'installation. Enfin, un petit guide qui vous dit voilà, si vous avez une connexion internet, merci de lire le README qui est disponible sur SourceForge et qu'on retélécharge et qu'on ouvre là. Et en fait, c'est ici qu'on voit System Load. Donc, le système démarre sur le bureau. Et que si on a un écran de connexion, hein, il faut taper ici Custom. Comme nom d'utilisateur et pas de password, enfin pas de mot de passe pour rentrer. Ah bah voilà, ça veut marcher. Tiens, en mode récupération. Voilà, on va y arriver finalement. Donc là, vous voyez, on arrive sur cet écran à la noix. Donc il faut taper custom. Donc attention, nous sommes en QWERTY. Donc custom, voilà.
Et enfin, on arrive à démarrer. Bah voilà. Sinon, je vais pouvoir vous montrer le truc. Cool, ça marche, à peu près. Donc là, je vais lancer vite fait l'install parce qu'on a déjà assez perdu de temps. Voilà, donc vous voyez le compise là, c'est ça, hein, c'est les fenêtres comme ça qui se baladent. Bouh, super. Donc français, continuer. Voilà, on a déjà perdu 5 minutes. Donc télécharger les mises à jour. Non, on va pas le faire. Donc ils disent de désactiver le réseau. Donc on va désactiver le réseau pour que ce soit plus rapide. Quoique, ça va pas nous installer les traductions françaises. Alors si, on va laisser le réseau. Voilà, bon allez, on va télécharger les mises à jour, on s'en fout. Voilà, j'efface le disque et j'installe Perl Desktop. Voilà, donc je continue. Paris. Donc vous voyez les icônes, enfin le thème de souris là avec la petite boule qui tourne. Ça doit être les icônes, enfin les curseurs de macOS. Hein, c'est la même chose. Donc là on voit que le mec il s'appelait Scott, à mon avis. Le créateur de l'ISO. Voilà, donc là, ça, ok. Donc ça s'installe. Bon, ok, ça plantouille un peu. Donc, à propos. Bon, c'est un petit outil, on s'en fout. On a l'outil pour mettre à jour les logiciels. Dans les accessoires, on a ça. Donc on a le dock en bas, je ne sais pas si c'est Plank ou si c'est Docky, parce que les deux sont installés. On a la présence de Synapse qui permet de chercher rapidement une application ou un fichier sur l'ordi. Là, on peut taper application, on peut taper Firefox. Bah, il n'y a pas Firefox. Bah, voilà, on tape F, on a File Manager. Donc, on verra après l'install si c'est bien en français. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Éducation, donc on a Bible Time, je ne sais pas ce que c'est. Dans les jeux, on a OpenYahtzee. Un jeu de cartes solitaire. Dans les graphiques, on a GIMP. Shotwell aussi, là. Dans la partie internet, donc on a un navigateur, browser. Donc je sais pas lequel c'est. Ubuntu Web Browser. Eh ben je le connaissais pas, celui-là. Ben, maintenant on le connaît. Ok. Ubuntu Web Browser, pourquoi pas. Ether App, je sais pas ce que c'est. Mozilla Build of SeaMonkey, donc on a SeaMonkey comme navigateur web aussi, voilà. Ouf. Donc il s'ouvre par défaut pour avec voilà, bah, on a plein de pubs. Voilà, si on réduit, ça va dans le dock comme ça avec la lampe. La lampe magique. Donc, Restore Session. Voilà, bon, on voit même le mec, en fait, qui a créé l'image ISO, sur quel site il était avant. Tiens, si on va sur Google, peut-être qu'il y a encore le cookie pour sa connexion automatique sur son compte Google, s'il avait un compte Google, non, tant qu'on y est. Non. Ça pourrait être drôle. Non, je sais pas. On va fermer. Bon, SeaMonkey, c'est un petit peu bizarre. Hein. On va voir c'est quelle version de SeaMonkey. Version 2.40. Basée sur Firefox 43. Ouais, c'est à peu près à jour quand même cette affaire. Dans là-dedans, on a quoi d'autre? Bon, on a Remote Desktop Client, un client pour se connecter à des serveurs Windows, transmission, donc pour du BitTorrent. Dans la partie Office, on a BitWord. Voilà, donc on verra après l'install, là, si les traductions sont bien installées en français. Dans Autre, on a Amazon, ouais, pourquoi pas. Son et image, enfin son et vidéo, on a Audacity, Clémentine, on a deux logiciels pour voir des webcams, Cheese et GUVC View. On a Kodi, tiens. MPV Media Player, SM Player, VLC Media Player. VLC Media Player en version 2.2.2, cool. La Logitech est assez quand même bizarre, hein, parce que
C'est vraiment très bizarre. Oui, je sais que vous voyez que l'installateur derrière, il a planté. Oui, il a planté, voilà, donc c'est cool, on ne peut pas l'installer, la distribution. Donc ce qu'on va faire, bah, on va essayer de l'installer en anglais, tant pis, hein, ça c'est le bug traditionnel de certaines distributions qui ont l'installateur de Ubuntu. Donc déjà c'est pénible parce qu'on va se taper un système en anglais. C'est dire si l'image ISO a été testée, à mon avis il n'y a que Scott qui développe le truc, hein. Voilà, donc finalement on va erase disk, hein, puisque on recommence tout, hein. Pas grave, c'est pas grave. De toute façon, au point où on en est dans la vidéo, autant que vous voyez que c'est de la merde. Hein. Et je remercie la personne qui me dit de tester cette distribution pour bien me montrer que c'est de la merde. Alors, si franchement il va plus loin que moi là-dessus, puis qu'il la trouve bien, je l'invite à mettre un petit commentaire sous la vidéo parce que. Je comprends pas à quoi ça sert ce genre de distrib. Bon, bref, c'est pas grave, on continue. System settings, donc les paramètres système, on a quoi? Synaptique, ok, software and updates, bah, c'est le logiciel de Ubuntu. Donc ici, on a des logiciels propres à la distribution Perl, visiblement. On va lancer après. Donc les system tools, donc tous les outils système que voici. Donc, on a GDB, package updater. Ouais. Administration. Donc là, pour installer des applications, on a Appgrid qui j'avais vu dans une vidéo présentée par un YouTuber belge. Je sais plus son nom. Voilà. Donc ça, c'est pour installer des logiciels. C'est la Logitech. Bon, ça vaut ce que ça vaut. C'est un peu plus light que la Logitech Ubuntu. Sinon, dans les utilitaires, bon, on a ça, voilà. Hein. L'ensemble, ça mange combien dans l'affaire? Bon, on est en live CD, mais. C'est quoi ce moniteur système? Alors, attends. C'est qui ça? Ah, c'est le moniteur système de GNOME. Ah oui, alors, attends, ressources, voilà. Ça fonctionne comme ça. Donc, 1 giga de RAM, le bazar. Ok. On verra une fois que c'est installé. Ah si, on a quand même GNOME Software Apple. Donc le GNOME logiciel, je suppose. Voilà. Bon, ça marche pas, mais ça c'est peut-être parce qu'on est en live CD. Donc sinon on a le dock en bas, là, vous voyez. Donc le docky ou le plank, peu importe. Donc ici on voit au niveau du thème d'icônes que ce sont les icônes de macOS 10. On a le terminal, donc c'est le terminal XFCE. LSP release-A. Vous voyez, donc Pearl Linux OS 4.0, c'est basé sur Xenial, donc Ubuntu 16.04. Ici, on retrouve donc quelques logiciels. On a Kodi, bon, VLC, avec le logo de QuickTime. Ouais. Nitrogen, donc Nitrogen, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, Nitrogen. Peut-être pour changer le fond d'écran. Apply. Non. Bon, je sais pas à quoi sert Nitrogen non plus. Application Docky. Donc le Perl System Control. Voilà. Donc ça, c'est le panneau de contrôle de Perl où on peut visiblement. Non, non plus. Où on peut configurer donc compiz, conquis, visiblement il y a conquis, je pense. GNOME Alza Mixer, bon les logiciels sont un peu bizarroïdes. Perl DE GTK. Ah, c'est le simple clic qui doit fonctionner. Donc pour changer l'apparence, si c'est Perl Black Maté, on peut mettre par exemple Windows 7 en apparence, Windows XP. Ah non, Windows XP c'est un petit peu buggé. XP Silver, Redmond, Sparky, bon, on a quelques thèmes qui sont. Voilà, on a les thèmes de Zorin OS aussi. Donc c'est pas grave, on va mettre par exemple là le thème Windows 7, peu importe. Donc vous voyez, on peut changer, on peut passer en gros de macOS
à Windows au niveau apparence, hein. Donc là, au niveau des icônes, bon, on n'a pas ceux de Windows. C'est pas bien grave. On peut changer les curseurs de souris, donc mettre ceux de Windows. Ok. Attends, on va continuer de tester. Voilà. Donc on peut changer le thème, c'est cool. Et puis, il y avait un autre outil, juste avant de redémarrer, qui était Perl Tweak. Alors lui, il permet peut-être de changer le thème plus facilement. Donc ici, on a les infos sur le système. Apps. Not found, ok. Tweaks, donc on peut, voilà, changer l'apparence. Ouais, c'est Ubuntu Tweak, mais qui est juste renommé. Donc voilà, on peut changer le thème. Donc si on veut se mettre en thème Windows 7, curseur thème Windows 8, Windows thème Windows 7, je ne sais pas comment on applique les paramètres. Ça a visiblement l'air de pas très bien fonctionner. Bon, après c'est un outil que je connais pas non plus. Et puis, juste avant de démarrer, je vous présente ici. Donc on a 4 bureaux virtuels avec les animations cubes qu'on pisse par défaut. Bon, voilà. C'est cool. Maintenant, on va redémarrer le bousin, histoire de voir un peu ce qu'on a de beau une fois que c'est installé. Mais bien sûr, ce sera pas en français, puisque j'étais obligé de l'installer en anglais à cause du plantage de l'installateur. Donc là, on voit qu'on a le magnifique Grub avec un thème maquisé. Voilà, bon, en tout cas, ça charge un peu plus vite. Voilà, ouh. C'est déjà un peu plus réactif une fois que c'est installé. Donc, bien sûr, bah, c'est pas en français, hein. Donc, je vais regarder juste combien ça bouffe une fois lancé. Voilà, 500, 525 mégas, 520 mégas de RAM. Donc, là, forcément, tout doit être en anglais. Alors, par défaut, les fichiers masqués sont affichés. On va les masquer. Voilà, on a un dossier PDF dans lequel je suppose on a des petites infos là. Ouais, non. Bon, honnêtement, cette distribution, je sais pas quoi elle sert. Hein. On a des fichiers qui sont un peu en vrac là. C'est, enfin bon, c'est pas en français, donc maintenant il faut se casser la tête pour installer le tout en français. Non, c'est un peu, franchement, c'est un peu pénible. Hein. C'est un peu pénible. Donc voilà, on m'a demandé de tester cette distribution-là. Donc je l'ai testée, vous voyez, c'est beau, mais il n'y a que ça en fait, hein, parce que c'est lui. En fait, vous voyez là, j'ai envie de faire une chose, c'est d'arrêter la vidéo puis de la supprimer, parce que je sais même pas pourquoi je fais cette vidéo. Mais je vais quand même la mettre en ligne, parce que j'ai pas fait ce travail pour rien, mais. À quoi elle sert cette distribution? Ouais, ça ressemble à Mac. Ben voilà, quoi, on a même un vieux point de montage de clé USB. Non, l'image ISO, elle a été faite à l'arrache et puis c'est bien quoi. Juste le mec, il se dit, tiens, super, ma distribution, je l'ai faite, c'est cool, mais ouais, enfin voilà, bon allez, c'est bien. J'arrête la vidéo parce que ça m'énerve. Elle ne mérite même pas, vous voyez, un article sur linuxtricks.fr. Je vais mettre la vidéo, ce sera très bien, vous serez content ou pas. Mais voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ou si elle vous a pas plu, je vous en voudrais pas parce que la distrib est nulle. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sans doute un peu plus intéressante. Allez, ciao!